Bonjour à vous qui nous faites le plaisir de nous rejoindre. Je suis en compagnie de Pierre Ménès pour cette journée de Football League Championship. Pour ce match, on va retrouver Aston Villa, le club de Birmingham, face à Norwich City. Un petit pronostic peut-être, Pierre? Je l'attendais, celle-là. Bah pour moi, ça ne joue pas grand-chose. Les deux formations sont du même niveau. Ça peut jouer sur un coup de pied arrêté, cette affaire. Hein. Comme ça, tu vois, je ne me mouille pas trop. Et l'arbitre qui siffle le coup d'envoi. C'est parti pour 90 minutes. Bah, tout le monde est en place. Nous, on est bien assis. Donc, allons-y. L'équipe à domicile, dont voici la composition. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Hunter, ballon bien négocié par le gardien. Le corner, ça peut être dangereux. Il intercepte. Allez, peut-être une bonne occasion. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Le joueur a surveillé de près. Il a signé un doublé lors de son dernier match et on peut donc imaginer son état de forme et de confiance. Je ne pense ne pas trop m'avancer en disant qu'il va être dangereux aujourd'hui. Bonne anticipation sur cette interception. Jedinak. Attention, il n'y a plus que le gardien. Ballon pour Hunter. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ah ouais, c'est une bonne passe, ça. L'appel de balle et la passe en profondeur. Attention à la frappe. Et c'est au fond! Bon, là, ils sont complètement démobilisés, là. Juste après avoir marqué, c'est un manque de concentration stupide. C'est une égalisation qui remet tous les compteurs à zéro. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Hunter, peut-être un bon coup à jouer. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Williams. Les 30 derniers mètres. Oh, cette faute qui va donner lieu à un coup franc extrêmement dangereux. Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune.
Il frappe ce ballon et c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce coup franc. On écarte le jeu. Elle est mal centrée. Dommage, un bon ballon d'attaque perdu. Attention à cette action. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Mais ce sera un corner à venir. Il choisit la frappe. Et c'est but! Et oui, les voilà qui prennent l'avantage! Le ballon qui file droit dans la lucarne. De la puissance, de la technique. Un tir impossible à arrêter. Et 2-1 donc maintenant.